Très bon début de semaine à tous, madame, messieurs. Voici les principaux titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a échangé avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, dimanche 14 mai à Oyo, au Congo-Brazzaville. La situation qui prévaut à Kwamout, en province du Maïdombé, était évoquée au cours de leurs échanges. Et puis, ils sont désormais connus. Les experts devront constituer la mission mixte d'audit externe du fichier électoral. Au total, 5 experts ont été sélectionnés, dont 3 de la République démocratique du Congo, 1 de l'Afrique du Sud et 1 autre du Malawi. Leur profil dans ce journal. Enfin, des activités socio-économiques sont restées paralysées ce lundi 15 mai 2023 dans la ville de Beni, au nord Kivu, dans l'est de la RDC. Des forces vives exigent entre autres le retour de la paix et la fin de l'état des sièges. C'est tout pour les titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, dimanche 14 mai à Oyo, au Congo-Brazzaville. La visite officielle des 48 heures de Félix Tshisekedi entre dans le cadre des raffermissements des relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre les deux pays frères. La situation qui prévaut à Kwamout, en province de Maïndombé, était également évoquée au cours de leurs échanges. Pendant ce temps, des massacres continuent à se perpétrer dans la localité de Mungata. C'est ce qu'ont affirmé le week-end dernier les autorités provinciales du Kwango. Selon des sources sécuritaires, 38 combattants de la milice Mobondo ont été tués et beaucoup d'autres blessés, toujours à Mungata. Côté réaction, le cardinal Fridolin Mbongo dénonce ce qu'il qualifie de manipulation politique visant des intérêts égoïstes dans le conflit communautaire à Kwamout. Il a fait cette déclaration lors de sa visite pastorale dans le diocèse de Popokabaka, situé en territoire de Kasongolunda. Je disais dans les titres, des activités socio-économiques sont restées paralysées ce lundi 15 mai 2023 dans la ville de Beni, au nord Kivu, dans l'est de la RDC. Cette paralysie est due à l'appel des forces vives qui ont décrété 5 journées sans activité pour exiger le retour de la paix dans cette région et la fin de l'état des sièges en vigueur depuis 2 ans dans la province du nord Kivu et de l'Ituri. Des activités socio-économiques ont été également paralysées l'avant-midi de ce lundi 15 mai dans la ville de Boma, au Congo central. Cette fois-là, suite à l'appel de la société civile, la 2 journées veulent morte, soit du lundi 15 mai au mardi 16 mai, et ce, dans le but d'exiger la reprise des activités au port de Boma. Et puis devant la presse, le week-end dernier, le vice-premier ministre des Affaires étrangères est revenu sur les bilans des troupes de l'EAC. Pour Christophe Lutundula, la force régionale de l'EAC n'a pas donné les résultats escomptés. Le patron de la diplomatie congolaise a affirmé que sur le terrain, les éléments de cette force se sont écartés de leur mission en coalisant avec les terroristes du M23 avant d'annoncer le déploiement de la force de la SADC entre les 15 et 20 juin prochain. Deborah Wamba nous en parle. Alors qu'ils avaient un mandat offensif conformément à l'article 3 du mini-sommet du 21 avril 2022 et de la feuille des routes de Nairobi, les troupes de la communauté des États d'Afrique de l'Est ont échoué et n'ont pas donné des résultats escomptés, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Il s'est exprimé ainsi sur la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka de l'organe de paix et sécurité de la SADC au sujet de la crise dans la partie est de la RDC, tenue le 8 mai à Windhoek, capitale namibienne. Face à cet échec constaté sur terrain des troupes de l'EAC, le patron de la diplomatie congolaise a annoncé d'ici mi-juin prochain des troupes de la SADC avec une mission précise d'une brigade offensive. Il a terminé son speech rappelant aux Congolais que la force d'intervention rapide qui a su maîtriser et neutraliser le M23 en 2013 était venue de la Tanzanie, Malawi et autres pays de la SADC.
Pendant ce temps, le sénateur et président national du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, Matata Ponyo, attribue la persistance de l'agression rwandaise à la mauvaise gouvernance des autorités en place. Devant la presse, dimanche à Goma, l'ancien premier ministre congolais dénonce ce qu'il qualifie d'humiliation dont est victime la population congolaise suite au manque de leadership au sommet du pays. Suivez ce reportage signé Normin Pila. Parce que si le pays étranger... Selon l'ancien premier ministre congolais, seul le leadership et la gouvernance de qualité au pays peuvent mettre fin au cycle de violence qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. En 2012, j'étais premier ministre sous le leadership d'un président de la République, Joseph Kabila Kabange. Je suis allé jusqu'à Bounagana, jusqu'à Runoni, jusqu'à Tchanzu. J'ai parlé avec le militaire. Nous avons pris en charge leur desiderata en termes de gouvernance et de leadership. Une année après, nous avons chassé ces gens et ils sont rentrés chez eux. Autant nous dénonçons l'agression, autant nous devons aussi dénoncer le déficit de leadership et de gouvernance. Devant la presse, ce dimanche à Goma, Matata Ponyo qualifie d'humiliation le fait pour la RDC de chercher le maïs ailleurs que sur ses terres. Quand on a créé Bougangalonze, c'était justement pour permettre à ce pays de ne plus vivre des types d'humiliation. C'est une humiliation. Quand vous allez en Zambie, mais ce sont des Africains comme vous et moi, ce ne sont pas des Blancs. Quand vous allez en Afrique du Sud, mais ce sont aussi des Africains comme vous et moi, comment vous allez continuer à vous plaindre du maïs? Ce n'est même pas des ordinateurs, du maïs. Cher ami Nicolas, du maïs. Qui ne demande qu'à planter les graines, d'attendre la pluie et de récolter. 62 ans en pleine dépendance. Au sujet de sa vie politique, ce dernier a laissé entendre qu'il lui a été interdit une année et demie durant de voyager pour avoir simplement refusé d'adhérer à l'Union sacrée de la nation. Sinon, je serais venu compatir avec le frère et sœur du Nord Kivu, particulièrement ceux de la partie affectée par le terroriste du M23, affirme le candidat déclaré à la présidentielle du 20 décembre prochain. Je le disais dans les titres, audit externe du fichier électoral, les experts nationaux et internationaux sélectionnés pour cette opération sont désormais connus. La CENI vient de dévoiler leur identité. Au total, 5 experts ont été sélectionnés, dont 3 de la République démocratique du Congo, 1 de l'Afrique du Sud et un autre du Malawi. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la centrale électorale parvenu à la rédaction de Congo BC. Les visions, Déborah Ouamba nous en parle. Communiqué de presse numéro 023/CENI/2023. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique que l'audit externe du fichier électoral démarre ce lundi 15 mai 2023 et ce, conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022. À cet effet, la CENI rend public les noms des experts nationaux et internationaux sélectionnés en vue de constituer une mission mixte d'audit externe du fichier électoral. Il s'agit de Madame Jeannette Love de l'Afrique du Sud, ancienne membre de l'équipe des négociations de la Convention pour une Afrique du Sud démocratique CODESA, détentrice entre autres d'une licence en sciences politiques et sociologiques, d'un master en sciences de gestion des finances publiques de l'Université de Londres. 2. Monsieur Murabi Lufu Chessi du Malawi, détenteur d'un diplôme post-universitaire en sciences avec spécialisation en informatique et statistique de l'Université de Dublin en Irlande. 3. Monsieur Joseph Topangu de la République démocratique du Congo, diplômé en géologie et minéralogie de l'Université de Lubumbashi. Il est entre autres dans le domaine électoral depuis 1994 au Mozambique. 4. M. Kabata Kabamba de la République démocratique du Congo, docteur en sciences spécialité géographie, économie et sociale de l'Université de Belgique.
Il a une expérience dans les domaines de l'enseignement et la recherche. Il a été, entre autres, secrétaire général académique de l'école de formation électorale en Afrique centrale. 5. Monsieur Vianney Nzanzu Tawite, de la République démocratique du Congo, détenteur d'une licence en économie mathématique de l'Université de Kinshasa, il s'est spécialisé dans les logiciels d'analyse des données et en gestion des données. Fait à Kinshasa le 15 mai 2023, Patricia Nseya Mulela, rapporteur. Dans cette actualité initialement prévue samedi 13 mai, la marche de l'opposition a été reportée par les organisateurs au 20 mai. L'annonce a été faite le week-end dernier au cours d'une conférence de presse animée conjointement par Matata, Katumbi, Fayulu et Sisanga. Le récit, une fois de plus, de Normine Pila. C'est dans le but de permettre à leurs différents militants de manifester calmement et en toute quiétude que cette décision a été prise. En croire de lycée Sanga qui a pris la parole au nom de l'opposition, un complot aurait été orchestré pour saboter la marche de ce samedi 13 mai. Face à cette mobilisation, l'autorité urbaine qui a minimisé au départ n'a eu d'autre recours que d'interdire la marche. Et sur quelle motivation est-ce qu'il y a eu cette interdiction? On évoque la sécurité. On évoque la sécurité dans une ville où nous avons vu il y a moins d'une semaine la majorité, le pouvoir, organiser ici une activité grandiose. Aussi, nous voulons rappeler que toutes les marches qui ont été organisées par l'opposition au cours de ces derniers mois n'ont donné lieu à aucun incident de la part de ces organisateurs. Face à cette situation, nous avons maintenu donc la marche qui doit se dérouler demain à la date du 13, mais conscient, étant à l'écoute de nos bases politiques qui disent de ne pas verser dans le piège de l'apologie de la violence où le pouvoir veut nous amener, à savoir on interdit les marches, on réprime et on va tuer les citoyens et ainsi démobiliser pour chanter que l'opposition n'est pas là. En toute responsabilité, nous avons décidé de notre propre chef et nous n'accepterons pas un nouveau dictat de la part de l'autorité urbaine que la marche va se dérouler le samedi prochain, c'est-à-dire à la date du 20 mai ici à Kinshasa. Pour rappel, cette marche avait été reportée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobilambaka, au 18 mai prochain pour des raisons sécuritaires. L'opposition, elle, accuse le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, d'utiliser Jeko Béa et Lisanga Bonganga pour empêcher la tenue de cette marche. Et puis cette nouvelle, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, a réhabilité Léopold Manzambi Nzola au poste de bourgmestre de la commune de Lagombe. Conformément à un document parvenu à notre rédaction, le gouverneur de la ville de Kinshasa invite Léopold Manzambi à prendre ses fonctions à dater de ce lundi 15 mai. Cette levée des suspensions intervient suite au recours introduit par le bourgmestre de Lagombe auprès de l'autorité urbaine de la capitale congolaise. Il faut signaler que Léopold Manzambi était suspendu à la tête de la commune de Lagombe pour indiscipline et manque de respect à l'égard du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Et enfin, il s'est tenu à Kinshasa la troisième édition de la conférence internationale Afrique Action placée sous le thème Comment générer 500 millions d'emplois en Afrique d'ici 2035, l'adéquation du développement et environnement en Afrique, ainsi que femmes face aux défis actuels. Ce sont les deux sujets qui étaient au centre de la sensibilisation de la jeunesse. C'est ce que nous dit Laetitia Vuemba.
La 3e édition Afrique Action du Symposium international du travail et de l'entreprise de cette année s'est axée sur deux sujets, à savoir femmes face aux défis actuels, la transformation sociale en Afrique. Pour l'administrateur du réseau africain souverain, Yannick Lukusa, cette conférence se fixe l'objectif de donner l'occasion à l'élite africaine de pouvoir s'apesantir sur la prise de conscience pour générer 5 millions d'emplois d'ici 2035. Nous sommes une communauté comme les autres. Donc c'est une question qui dérange et nous nous sommes décidés de voir la question de manière sérieuse. D'abord au Congo, les deux éditions, nous avons fait ça nationalement pour voir la question de manière nationale. Et là, nous sommes passés au niveau international pour voir la question de manière globale et voir dans quelle manière, dans le cadre du programme Afrique Action, coordonner les actions avec les différents pays pour qu'on puisse avoir du résultat que nous attendons, le résultat qui peut apporter la différence. À son tour, Sidonie Flore, magistrate et présidente de la société civile gabonaise qui a sensibilisé les jeunes africains sur les actions à mener et les défis que doivent relever la femme, pense qu'il est temps. Alors si on s'est appesanti sur la notion du développement qui vise la croissance économique en termes de l'augmentation de la production des services et des biens, mais la femme et toute personne de sexe féminin qui participe de façon considérable à la création de la richesse dans un pays. Il s'y est dénoté que la 3e conférence internationale Afrique Action du Symposium du travail et de l'entreprise a connu la participation de jeunes entrepreneurs et de plusieurs personnalités venues d'Afrique. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, le rappel des titres, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a échangé avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, dimanche 14 mai à Oyo, au Congo-Brazzaville. La situation qui prévaut à Kwamout, en province du Maïndombe, était évoquée au cours de leurs échanges. Et puis, ils sont désormais connus, les experts devront constituer la mission mixte d'audit externe du fichier électoral. Au total, 5 experts ont été sélectionnés, dont 3 de la RDC, 1 de l'Afrique du Sud et 1 autre du Malawi. Enfin, des activités socio-économiques sont restées paralysées ce lundi 15 mai 2023 dans la ville des Béni, au nord Kivu, dans l'est de la RDC. Des forces vives exigent entre autres le retour de la paix et la fin de l'état des sièges. Ce journal est terminé. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration, je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous. Un journal que vous pouvez également suivre en intégralité sur notre chaîne YouTube. Au revoir.